je pense que le premier souvenir que j'ai, c'est Roland Garros 89 avec la défaite d'Edberg contre Chang. Voilà, je me souviens parce qu'à l'époque, Edberg, donc je commençais le tennis et c'était mondial, donc j'avais 7 ans. Mais je me souviens d'avoir été très triste après le match. Je crois que c'est l'année, ça m'a vraiment marqué, à Roland Garros encore une fois. J'étais allé passer la journée avec mon père. Et c'était, alors je ne sais plus l'année, c'est quand Connors il abandonne contre Chang, il me semble, premier point ou premier jeu du cinquième. Alors je ne sais plus l'année, peut-être 92 ou quelque chose comme ça, enfin je ne sais plus bien. Et ce qui est marrant, c'est que pour l'anecdote, j'ai su après que Paulo Mathieu était sur le central le même jour et on avait vu le même match. Donc c'est assez drôle et c'est vraiment mon premier souvenir de découverte de Roland Garros. Pas persuadé de surprendre trop les gens qui verront cette interview, mais je peux pas ne pas parler de mon match à Wimbledon contre John Isner. Plus particulièrement, voilà, cette deuxième journée qui s'est terminée sur un match nul. Je peux pas retenir la dernière journée parce que c'est vraiment une trop grosse déception, mais voilà, ce qui s'est passé le deuxième jour avec les difficultés, la durée du match, la qualité de jeu. J'avais atteint à ce moment-là un niveau de confiance et j'avais l'impression que rien ne pouvait m'arriver, que je pouvais jouer des heures et des heures, que je me sentais bien quand je touchais la balle au service. J'étais à peu près sûr de gagner le point à chaque fois, j'ai l'impression de pouvoir faire des aces quand je voulais. Et puis l'atmosphère du match aussi, voilà. Pour l'instant, je pense que je retiendrai ce moment-là de ma carrière. J'étais à chaque fois à 4 points de perte, donc il fallait que je reste dans le match, il fallait que je tienne mon service. Mais lui, s'il avait perdu le sien, il n'y aurait pas eu de match non plus. Et je crois que c'est justement parce que tous les deux ont refusé la défaite un petit peu, qu'on voulait ce match plus que tout, finalement, qu'on a pu produire ça. Ouais, donc les gens, j'espère que les gens vont retenir ça. Moi, j'ai toujours en tête et je l'aurai toujours un petit peu ce sentiment de défaite. En tout cas, de ne pas connaître cette espèce de nirvana, cette sensation que lui a dû ressentir après la balle de match. Mais voilà, en tout cas, j'ai eu l'occasion de le dire plein de fois, mais je suis très très heureux de l'avoir fait avec John, voilà, ce match, parce qu'il a montré après des qualités humaines extraordinaires. Et voilà, je suis vraiment fier d'avoir partagé ça avec lui. C'est vraiment un chic type.